vous appelez cette liste une liste symbolique? Elle est vraiment symbolique. C'est ce que vous appelez liste symbolique. Excusez-moi un peu, hein, parce que je vais la lire. Madame, notre enfant a dit à ma soeur. Chut, tu peux fermer la bouche. Là où on est la maîtrise, ce n'est plus la blague. Les gens prennent la liste recto verso, ils disent que c'est symbolique. Il faut qu'on lise ça pour qu'eux-mêmes sachent si c'est vraiment symbolique. Mali. Deux ensembles costumes, trois pièces, plus chaussures. Une enveloppe de 3 millions de francs. Un écran plasma, 42 plus. Un groupe électrogène. C'est symbolique, hein? 50 casiers de bière. Tu dis que les chances ne veulent pas ouvrir le dépôt. 10 cartons de whisky. 20 cartons de vin rouge. 10 damjans de vin rouge. Castella de Lyria. Tu dis que les gens ne veulent pas faire le dépôt. 10 cartons de champagne. Un fagot de tabac, plus 12 pipes. 20 cartouches d'allumettes, 20 machettes, 20 brouettes, 20... Ah, laisse-moi! Ils ont dit que c'est la liste symbolique, non? Un congélateur de 600 litres. Ça, c'est le premier. Ça, c'est le premier vaisseau. Wanda poupe là-bas. Habillement de la belle-mère, 300 000. Traité par wax, c'est écrit. Un bœuf, entre parenthèses, bien portant, certifié par un vétérinaire. Mais oui! 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 Ils sont même très sages. Oui. Un ballon de morue. Entre parenthèses, Mokanjo. Oui, parce qu'on sèche ici au marché. Hein. Tu vois, 8 poils longs châssis. Entre parenthèses, Chang, je n'ai pas compris. Chang veut dire que quoi? Ça veut dire que c'est à Chang qu'on élève bien les porcs. Surtout les porcs qui n'ont pas de graisse. C'est ce qu'on veut. Ok. Oui. 8 chèvres bien nourries. Entre parenthèses, Bamenda, je ne comprends pas ce que ça veut dire. À Bamenda, c'est là où on trouvait les meilleurs chèvres. Les chèvres qui ne prennent mangent pas la Provence. Les chèvres qui broutent l'herbe et qui sont bien sucrées. 50 régimes de plantain qui viennent du Grand Sud, centre. Au Grand Sud que tu vois là, le plantain est. C'est le pourquoi on vous a envoyé là-bas. 50 cachots de tomates. Entre parenthèses, Fumbot, ça veut dire quoi, Fumbot? Ça veut dire que je veux la tomate qui est bien rouge. Les techniciens. Et non pas la tomate qui est lolo. 50 filets d'oignons venant du Grand Nord. Voilà. Au Nord, on trouvait les oignons qui sont rouges. Et ces oignons, quand on prépare, l'odeur même t'attire même à 20 km. Et non les oignons jaunes là. Tu as tapé la liste symbolique. Les oignons durs là, jaunes. J'ajoute ceci. Dans le filet bleu, je dis bien bleu. Ah. 25 cartons de poissons frais bas. Petite bouche. 150 poulets. Entre parenthèses, achetés dans une ferme suivie. Ils ont même mis le numéro. Le numéro là que vous voyez là. Les poulets là que vous voyez là, il y a la grippe aviaire dehors. Les poulets que vous voyez là, c'est parce que nous ne voulons pas manger les poulets qui vont faire tomber les gens malades ici. C'est le pourquoi on a mis ce numéro que vous voyez là-bas. Parce que ces poulets sont contrôlés, madame. Bien contrôlés. Hey. 10 sacs de farine sauvageau. Ah. Ils vont ouvrir aussi le végétarien. 5 sacs de pistaches. Madame. Laisse-nous, nous sommes à l'école. Tiens, tu es en train de faire l'appel. Vous avez dit que c'est symbolique. C'est nous qui avons établi cette liste. Nous connaissons cette liste plus que toi. Il y a quoi? 5 fusils de chasse. 2 coups. Je ne connais pas le fusil là. 2 coups. Calibre 12. Je dis bien calibre 12. 2 valises. 2 matelas, 12 sommeils. Nous sommes à la. C'est la liste. Ils ont dit que c'est symbolique. Une valise avec roulette. Plus 12 sous-vêtements. Donc on va même venir avec les slips là-bas chez eux. Une enveloppe pour la mère. 500 000. Ils ont écrit que quoi? C'est elle qui connaît. Voilà. Là alors, on ne peut rien toucher. Parce que cette enveloppe, on appelle ça que c'est toi qui connais. Donc elle, la maman, elle connaît. Si c'est notre frère qui avait donné cet enfant. C'est son enveloppe. Zema, tu vois là où tu pars. Ouais. À la fin, couverture venant tout droit de la Mecque. Vous êtes déjà parti à la Mecque. Cette couverture donne la chaleur. Vraiment, on n'a même rien demandé. Je fais même quoi ici? On n'a même rien demandé. Chez nous au Gabon, pour toquer seulement la porte, ça fait 7 millions. Vraiment. Mais je suis dépassée avec une fille qui a deux masters, elle est belle, regarde la forme. Vraiment, on n'a rien demandé. J'ai dit, hein. Oui. Ça là. Donne-moi mon sac. Je suis venue bien, bien, bien organisé. Bien, bien. Arrête-moi ici. Là, la liste là. Madame, excusez-moi. Cette liste-ci que vous avez dressée là. Le code pénal de notre pays condamne ça.
Ça vous envoie tout droit en prison, toute la famille là. Pas en prison, si vous vous amusez, que je m'énerve. Madame. Ça, ça vous envoie en prison. Madame. Le président condamne ça. Qu'est-ce qu'on appelle le covenant? Le code pénal, c'est quoi? C'est le code pénal qui a accouché ma fille. C'est le code pénal qui a envoyé ma fille à l'école. D'où on la sortait. Je viens demander le moratoire, on refuse. L'enfant est malade, je l'amène à l'hôpital pour soigner l'enfant. On refuse ce code pénal. La personne qui a rédigé le code pénal, il était où? Même là au marché où je suis toujours. C'est comme ça qu'on ramasse ma marchandise. Le code pénal est où? Le code pénal a son couloir. La tradition aussi a son couloir. Ici, c'est mon code pénal. Que de ton code pénal m'attend là-bas. Cet enfant n'est pas un étranger devant vous. Bien sûr. Vous le connaissez depuis. Il a même fait des choses dans votre famille. Mais franchement, nous sommes dessus. Très dessus. Regarde une liste comme ça. Hein? Tu as dit à ces gens-ci que tu travailles quoi? Donc comment vient de te faire une petite nomination là? Tu vas aller voler l'argent à peine arrivé. On va l'envoyer en prison. Oui, c'est ce que ça veut dire. Qu'est-ce que vous appelez même code pénal? C'est beaucoup pour qui? C'est moins pour qui? Moi, je vois une chose. La belle famille ne s'est pas préparée. Oui, on n'est pas prêt. Capable, oui, on y va. On fait quoi là? Ne pleure pas. Ne pleure plus, maman, ne pleure plus. Ça, c'est quelle machin, ça s'appelle. Famille, hein? Oh. Famille, oh. La belle famille ne s'est pas préparée. Ah, la belle famille est incapable. Tu viens quoi? Nulle part en Afrique, on ne tient pour le problème de mariage. Bonjour frères et sœurs africains, je suis Taka Wanegra, mais connue sous le nom Wane Djaka sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter, sur Instagram. Djaka, c'est la joie, l'allégresse, le bonheur, et c'est ce que je veux véhiculer à vous mes frères et sœurs de Côte d'Ivoire et du continent africain et des Noirs partout dans le monde. J'aimerais vous parler aujourd'hui de Congo Lissolo. Congo Lissolo, c'est un site fait par des Africains ou des Africaines. Sur ce site, vous pouvez apprendre tout sur votre histoire, sur l'histoire de vos ancêtres, sur l'histoire de l'esclavage, sur les inventions des Noirs, sur notre culture de tous les pays qui composent le continent africain, la terre, le berceau de l'humanité. Congo Lissolo vous permet, si vous êtes inscrit dessus, d'avoir une section personnelle. Votre espace sur lequel vous pouvez faire la publicité de ce que vous offrez, vous pouvez faire des publications. Si vous découvrez des informations supplémentaires, vous pouvez les apporter pour que la communauté en bénéficie. Parce que savoir qui nous sommes nous rend plus forts. Le savoir est une arme. Tant que nous saurons qui nous sommes, nous saurons où nous allons. Alors je vous invite massivement à visiter le site www.congolissolo.net, Congo avec K. Et Congo Lissolo, ça veut dire causerie fraternelle. Nous sommes des frères, peu importe les frontières qui ont été tracées, nous avons les mêmes ancêtres parce que nous venons de la même terre, cette terre qui est le berceau de l'humanité. Alors, rejoignez-moi sur Congo Lissolo, parce que moi, Boane Djaka, j'y ai mon espace et il y a une collaboration qui existe avec Congo Lissolo. Et c'est ce que nous devons faire pour être forts. Il faut que nous travaillions main dans la main. Il n'y aura pas de miracle. Tant que nous ne serons pas unis, tant que nous ne ferons pas des choses pour nous, nous ne serons pas forts. Alors je vous invite massivement à aller visiter ce site-là, parce que moi, Boane Djaka, j'y suis déjà et c'est avec plaisir que je vous invite à aller voir ça. N'oubliez pas, Congo Lissolo,